Cette année, le prix du jeune reporter est consacré à la photo. C'est un prix tournant, photo ou presse écrite. Donc cette année, c'est un prix de photo. Et pour le remettre, j'ai appelé Nicolas Daniel, qui est rédacteur en chef à l'agence Kappa, agence qui parraine depuis des années ce prix du jeune reporter. Bonsoir. À vous l'honneur d'annoncer le nom du gagnant. Alors, le prix est attribué à Alexei Furman. De l'agence EPA. Et je tiens à souligner, bravo, je tiens à souligner, Nicolas, que ce prix, ce qui est très rare apparemment, c'est même une première, a été attribué à l'unanimité complète du jury. Oui, à l'unanimité, effectivement, donc bravo, bravo au gagnant. Qui n'est pas là malheureusement ce soir, qui n'est pas là ce soir. Ça s'est dessiné assez vite dans le jury. Les autres projets étaient aussi de grande qualité, mais assez vite, et c'est... Je crois la seule catégorie où le jury a été unanime, parce que tout a été très disputé. Là, vraiment, ce reportage était au-dessus du lot. On va regarder le reportage d'Alex. Très beau travail d'Alexei Furman. Nicolas ? Oui. Juste un mot pour souligner la qualité effectivement de ce travail. Cette année, c'est le photojournalisme qui est à l'honneur. C'est bien. C'est une profession qui souffre économiquement notamment, qui a du mal à financer son travail. C'est bien de voir des jeunes qui ont le courage d'y aller. Bon, l'agence à laquelle j'appartiens n'est pas une agence de photos, mais est nommée en hommage à un grand photo reporter. Et ces nouveaux regards, ces nouvelles manières de travailler, c'est quelque chose qui nous inspire. C'est le cas aussi du webdoc. Dans le jury, on se disait qu'on était presque trop vieux pour juger des webdocs, parce que effectivement, mais non. C'est des manières de. Mais si, il faut le dire. Non, mais c'est des manières de voir les choses, de les raconter et puis de les consommer qui sont vraiment nouvelles et qu'on est très heureux de découvrir et qui sont importants pour nous. Merci. Merci.